Sinfonia de Berlioz. Nous écouterons aujourd'hui la deuxième partie de la Sinfonia, mais d'abord quelques explications par le compositeur que j'ai rencontré en octobre 2000. Quelques mois avant, Martin Luther King était assassiné aux États-Unis. J'ai vécu là-bas, et j'ai écrit une petite pièce dédiée à lui, qui est assez simple. Je pense, c'est simple, en même temps assez subtil du point de vue de l'organisation de intervalles, des notes, ça. Le texte est simplement pour Martin Luther King. Et si vous voulez, la dramaturgie du texte, c'est peu à peu de révéler les noms. Seulement à la fin, on entend les noms complets. Mm-hmm. Et d'abord, on entend le son des voyelles. Oui, le son des voyelles qui s'organise, peu à peu, c'est l'ensemble du contenu qui prononce les noms complets de Martin Luther King. La première version, c'était pour un petit groupe de chambre. Mais après, en composant symphonie, j'ai décidé de la même pièce de transcrire pour grand orchestre, ou relativement grand orchestre, et d'avoir la même voix. C'est une mélodie qui, de façon assez rigoureuse, qu'elle tourne autour de soi-même, avec beaucoup de petites différences, des variations à l'intérieur, mais c'est une mélodie vocale, à la mémoire des Martin Luther King. Alors, ce n'était pas le cas de la tentative avec des intervalles très éloignés, très tendus, c'est une méditation. Luciano Berlioz parlait de la deuxième partie de la Sinfonia en octobre 2000 sur France Musique. Avec au programme Hendel, Telemann, Purcell et Lars Ulthilior, trois ensembles sont au rendez-vous.
disparaît, le son est à l'envers, des choses qui ne sont pas vraisemblables dans la réalité et qui nous fait prendre un certain recul avec finalement qu'est-ce que je suis en train d'écouter, quel est l'objet que j'écoute.